normal, moi, ma manière igual. Je suis venu à la maison. J'en parle tout à l'heure et ma mère, elle a 92 ans. Oui. Anna, moi, ça, moi. Pas loin, moins de 5 ans. Quand même, c'est rien. Quand même, c'est rien. Il faut que tu aies dit. Oui, Coco. Bien, mais que je lui ai proposé ça. Oui, je Vous avez les symboles du Sénégal.
Gis ngeen tantu wala sa waxale ci activité
Décoration de bureau. C'est artistique. C'est artistique. Thank you.
KBC TV haray misal minim bu beyne todi mu hande yiden do non elie memorable yi honno o wiete place du souvenir c'est en wiama hara ko kala africain je si hewti do a anday heda ender gayda tawa e place on kon don haray o place do enen hande guineyembe enen africain be se hewti ma ko wael to dem parce que watta ma hata wata masha Allah labirama non kon don o place du souvenir hande kala guineyen jo kala africain jo sa fala mo wadde fiesta woni hondo welo emission ji KBC TV din ko der ga wadata woni top ambiance woni découverte woni emission kala mo fa do ndare der KBC TV hande o ndare mo ko der place du souvenir kon don haray concert ji guineyen ji kadi wado di din e Dakar haray ko KBC TV kanyi e place du souvenir ha wela Havel takane. Abdoulaye Tallo Barakato, téléspectateurs, téléspectatrices KBC TV, ñong leen di nuyu. Tay nak ñu ñëwal leen place du souvenir africain. Fasiyene andak directrice bi muy madame Diouf. Ñu fasiyene waxtaan di leen ci walu place du souvenir africain. Muy indi ñu ci ay léral. Léral nak dina doon ben genre visite guidée bo xamne bëpp bu nekk suñ fa duggé mu léral nañu. Lan moy taxawayam suñu noppé nak si lolu tamit mu teunkel ñu taxawayu place de souvenir ndax té suñu place de souvenir africain dafa nekk ben lieu bo xamné bok na ci les sept merveilles yi xamné président Ablaye Wade wajalon nako mu nekk tam lieu de rencontre pour la culture africaine la culture mondiale té suñu né culture lepp tuggu na ci kon tay nak KBC en partenariat avec la place du souvenir africain ñoo leen fasiyene indil tay ben public reportage bo xamne mom lañuy def ci bërepp bi pour que tay képp ko xamne yaangi suivi KBC mu nekk Sénégal bitim rew nga mëna xam deug taxawayu KBC taxawayu place du souvenir africain jëga jëf téléspectateurs téléspectatrices KBC TV aujourd'hui KBC TV est à la place du souvenir africain pour s'entretenir avec la directrice, Madame Diouf. Madame Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur. Je remercie la télévision KBC et tout son personnel de l'honneur qu'il nous fait de venir aujourd'hui s'entretenir avec nous. C'est une belle opportunité également pour nous parce que ça va nous servir de vitrine pour présenter la place du souvenir africain. La place du souvenir africain est un espace de mémoire qui est rattaché au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Elle a été créée en 2009 et essentiellement, ses missions tournent autour de la commémoration et la célébration des grandes figures de l'Afrique qui ont fait l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. C'est un bon prétexte que les autorités ont en créant cette place-là parce que l'Afrique regorge de modèles. L'Afrique regorge d'exemples sur lesquels la jeunesse doit s'identifier. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Mais avec la place du souvenir africain et les différentes activités qu'elle mène, je pense que les missions et les ambitions des autorités dans cette création-là peuvent bien prévaloir. Donc, la place, nous, dans le cadre de nos missions, nous organisons beaucoup d'activités. Les activités-là, on les fait soit par nous-mêmes, c'est soit des activités que l'on fait en partenariat avec des tierces personnes, des initiatives privées.
ou bien des activités que l'on accueille. Mais toujours dans cet accueil-là, nous vérifions, nous faisons de sorte que ce soit des activités qui sont pertinentes, soit pour la promotion de la culture ou bien pour l'accompagnement des citoyens sénégalais ou bien même africains qui sont ici à Dakar. Je parle de citoyens africains parce que si la place du souvenir a une vocation panafricaine, donc elle est une structure qui est ouverte à l'Afrique. Telle que la place du souvenir est ouverte au monde, parce que si vous entrez dans la place du souvenir africain, sa position géographique simplement vous édifie sur sa vocation. Nous sommes sur l'océan Atlantique, nous sommes ouverts à l'océan, au monde. Et cette ouverture-là au monde appelle quand même une appropriation de toute la communauté noire, mais aussi africaine, mais du monde entier, à la place du souvenir africain. Cette ouverture aussi appelle la diaspora africaine qui est éparpillée dans le monde entier à revenir. Donc c'est un bras ouvert. La place du souvenir constitue en quelque sorte un bras ouvert aux fils et aux filles de l'Afrique qui sont un peu partout dans le monde. Madame Diouf, nous voyons que KBC TV, la chaîne de l'unité, que dit la chaîne de l'unité, parle de l'unité africaine. Mmh. Et on est ici avec la place du souvenir africain. Mmh. Donc, c'est deux entités qui, à partir d'aujourd'hui, nouent un partenariat. Est-ce que nous pouvons avoir quelques mots à travers ce partenariat qui est noué entre KBC TV et la place du souvenir africain? Mmh. Pas ce qui vous a inspiré, mais franchement, je loue votre démarche. Malheureusement, il y a des pelles dans votre télévision et tout, mais je vois que c'est des pelles quand même qui sont très intelligents. Parce que si une télévision panafricaine vient démarcher un partenariat avec une structure pareille, je me dis c'est vraiment bien réfléchi. Nous ne pouvons qu'accepter le partenariat que vous nous offrez parce que je suis sûre, certaine que ça va être un partenariat gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Et c'est une vitrine, comme j'ai dit dans mes propos liminaires, ce partenariat-là sera une vitrine pour la place du souvenir africain qui envisage quand même d'être une place mondiale, même en restant sur place à Dakar avec les nouvelles technologies, avec les médias. La place du souvenir peut être vue, peut être appréciée, peut être revendiquée même par la diaspora qui est éparpillée, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, je m'engage à travailler avec vous et avec le personnel de la place du souvenir africain aussi à faire de sorte que le partenariat qui va être scellé dans les prochains jours avec KBC TV soit une réussite, soit quelque chose quand même qu'on aurait regretté de l'avoir fait maintenant. Merci, Madame Diouf Toujours. Peut-être il nous reste à peine deux questions pour pouvoir entamer la visite guidée. Nous avons vu que depuis un certain temps, la place des souvenirs a un engouement, surtout au niveau des élèves. Qu'est-ce que vous pouvez parler de cela? La place du souvenir africain peut être considérée comme un outil pédagogique. C'est la cause pour laquelle nous recevons depuis un certain moment, et ça c'est depuis toujours, hein. Peut-être ça s'est accéléré, mais la place du souvenir a toujours accueilli quand même la communauté scolaire, la communauté étudiantine et les citoyens dans leur globalité. Pourquoi cet engouement? Parce que dès qu'on vient, on ne vient plus à la place du souvenir juste pour se promener ou juste pour organiser, assister à une activité et partir, mais on vient à la place du souvenir et on y ressort avec quelque chose, on y gagne quelque chose. Si on regarde l'exposition permanente qui est dans l'esplanade intérieure et qui renseigne sur les grandes personnalités qui ont, par leurs pensées, leurs idées, fait ce que l'Afrique est aujourd'hui, ou bien en tout cas ont contribué à ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui, mais il faut venir à la place du souvenir. Donc on y sort quand même avec un petit bagage
à renforcer dans le bagage que l'on avait en entrant à la place du souvenir africain. Donc, on enseigne, on éduque, on accompagne, et c'est ce qui fait que y a un engouement certain. Les élèves, concernant les élèves, il y a des cours où on apprend aux élèves certaines figures. Et les visites au niveau de la place du souvenir représentent des activités extramuros, sortir des quatre murs des salles de classe et venir sur le terrain découvrir de visu quelle est la figure que l'on apprend aux élèves en classe. Donc, il y a aussi la bibliothèque. On a une bibliothèque qui s'appelle le Centre de ressources Ousmane Sembène. Et là, vous me donnez un peu, quelques minutes pour expliquer un peu l'historique de ce centre de ressources-là. C'est une bibliothèque qui est là, mais qui est un peu exceptionnelle parce que ce n'est pas une bibliothèque traditionnelle comme on a l'habitude de le voir. C'est une bibliothèque, c'est une médiathèque, mais une bibliothèque qui est aussi orientée vers les missions de la place du souvenir, c'est-à-dire les célébrer les grandes personnalités, les commémorer et les donner en exemple. Donc, si vous découvrez la bibliothèque, vous verrez beaucoup de photos des grandes figures et un pan aussi important du fond qui est dédié aux écrits sur les grandes figures de l'Afrique ou bien des écrits par les grandes figures de l'Afrique, l'Afrique elle-même. Donc, pourquoi le nom Ousmane Sembène également? Parce que à l'inauguration de la place du souvenir africain, le président de la République d'alors avait dit que les deux panthéons qui font face, l'un était dédié aux résistants africains et l'autre aux hommes de culture. Et le panthéon dédié aux hommes de culture, le président d'alors avait aussi dit que le premier à entrer dans le panthéon de la culture serait Ousmane Sembène. Donc si on pose quand même un patrimoine aussi important dans ce panthéon-là, c'est-à-dire la bibliothèque, même si ce n'est pas un panthéon comme on a l'habitude de le voir, mais ça symbolise quand même un point fort, un pan fort de la culture africaine. Donc, c'est-à-dire commémorer les pensées, mais aussi donner, renseigner ces pensées-là aux nouvelles générations. C'est pourquoi le nom de Ousmane Sembène a été dédié à cette bibliothèque-là. Donc, tout un grand ensemble qui fait que la place du souvenir aujourd'hui est bien fréquentée. Et nonobstant maintenant le caractère attractif, parce que la place est très attractive, elle est large, elle est vaste, mais aussi elle est belle. Effectivement. Donc, quelles sont à peu près ramassées les réalités? Elles sont nombreuses, elles sont matérielles et elles sont immatérielles en même temps. Donc, si je parle de matériel, la bibliothèque en est une. Donc, c'est une réalisation palpable qu'on peut voir à l'œil nu, qu'on peut toucher. L'exposition permanente qui a été réhabilitée aussi, l'embellissement, le programme d'embellissement aussi, est une réalisation matérielle. Maintenant, si je parle du côté immatériel, c'est les activités. Depuis presque 4 ans, il y a beaucoup d'activités qui se sont succédées, qui ont été organisées à la place. Et je vais en citer quelques vraiment majeures. La première, c'est Jazz Africa. Jazz Africa est un concept événementiel, mais aussi de promotion toujours des personnalités marquantes de l'Afrique. Donc, Jazz Africa est aussi un outil de renforcement de la diplomatie culturelle entre le Sénégal et les pays représentés à Dakar. On le fait tout au plus tous les 2 mois. Et on le fait comment? On prend une ambassade du moins comme partenaire, comme invité d'honneur. Et c'est son pays qui sera à l'honneur ce jour-là, avec la présentation ou bien la promotion de la pensée et de la vie d'une personnalité que l'ambassade aurait prise. Mais aussi un concert de jazz. Le concert de jazz est un peu inédit parce que c'est le pays invité qui choisit les sonorités que le groupe de jazz de Dakar, du Sénégal, va interpréter. Donc, ce n'est pas toujours
courant qu'on voit ça. On joue peut-être comme les jazzmen jouent comme ils le pensent, mais leur dire que voilà, aujourd'hui vous jouez de la rumba, vous adaptez une rumba congolaise par exemple à jazz, ce n'est pas toujours évident. Mais tout ça, c'est pour donner une vitrine aux communautés étrangères qui sont à Dakar, de se sentir chez eux et de pouvoir exprimer leur identité culturelle. Et c'est aussi un moyen pour ces ambassades-là, pour ces communautés-là, de montrer le savoir-faire et de promouvoir le patrimoine culturel de leur pays. La deuxième grande activité, c'est e-souvenir. E-souvenir, c'est un concept que l'on adapte aux nouvelles réalités technologiques. Parfois, on peut faire quelque chose, mais on n'a pas la possibilité de le faire. Alors que avec le numérique, on est là, on fait des choses et tout le monde est au courant. Donc, e-souvenir augmente la visibilité de la place, mais aussi augmente la masse qui nous suit. Et il nous a été inspiré par le COVID parce que lors du COVID, c'était dû rester chez vous. Personne ne pouvait se déplacer pour assister à des activités culturelles. Alors que la place du souvenir avait une manne d'informations à transmettre. Des personnalités qui sont là, que l'on peut promouvoir. Et on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne va pas faire ça? Et on a, le mot est sorti. Donc, on fait des podcasts. Chaque mois, on fait un podcast dédié à une personnalité et on met sur nos plateformes digitales. Donc, c'est deux activités phares majeures que la place du souvenir fait de manière permanente, mais que la place aussi travaille de manière régulière avec les initiatives privées, avec des partenaires ou bien avec des citoyens sénégalais qui ont des choses à montrer. Et une autre activité immatérielle aussi, c'est le contact, le partenariat. Nous sommes en partenariat avec plein de gens qui nous soutiennent et nous aussi que nous soutenons. Nous les soutenons dans la promotion de leurs activités, mais eux aussi, ils nous soutiennent dans la visibilité et la promotion de la place du souvenir africain. Les perspectives, c'est toujours rester dans la dynamique vraiment tracée. Déjà par mes prédécesseurs, parce que, comme disent les Wolof, donc, c'est une occasion de rendre hommage à tous mes prédécesseurs qui ont quand même défriché le chemin. Et nous, on suit avec quelques touches quand même personnelles. Et les activités qui sont tracées, nous comptons les poursuivre. Poursuivre les activités matérielles et les activités immatérielles et s'ouvrir aussi, appeler toute la communauté africaine à s'approprier de la place du souvenir, surtout les communautés qui sont au Sénégal, mais aussi appeler les autorités quand même à nous accompagner davantage pour que ce joyau, cet outil de promotion du panafricanisme, mais aussi de commémoration et de célébration des modèles africains, soit quand même durable et dans de bonnes... Merci, Kode. Voilà. Donc, mais tant que nous venons ici, c'est sur le plat de souvenirs, pour que nous devons tout le temps, nous devons dire sur le but, nous comprendre ce que nous devons sur le plat de souvenirs africains. KBC TV ci opportunité bi ngeen ñu may ngeen ñew waxtaan ak ñun mu nekk lo xamantene vraiment dina ñu permettre ñu gën ñu xam surtout nak yeen nekk télé bo xamantene télé panafricaine ngeen ñu leen di gis au-delà du Sénégal té ñun suñu vocation aussi moy ñu xam ñu fi ci biir Sénégal mais aussi xam ñu ci bitim réew parce que ñun li ñuy def du pour Sénégal. Place du souvenir dafa nek beureup bo xamantene da fay magal di jëmeul ñepp ñi nga xamantene ay doomu Afrique lañ ñuy dund biir Afrique instant bi wala ñu genn Afrique bu yag nek ci biti ñu té def lo xamantene nak taxna ba Afrique tay sigi ñoñu la place du souvenir di wara magal di len jëmeul sa suné mu nek nak beureup bo xamantene mi ngi dépend ci ministère de la jeunesse des sports et de la culture. Nous avons tabaxé en 2009
mu nek beureup bo xamanteni nak ñepp ci haj ci suñu activité yi ñuy def dañ ci def lo xamanteni ñun ñokoy organiser suñu bop wala ñu organiser ko wala ñu bok organiser ndoko ak ño xamanteni ñu ngi ci biti bokku ñu ci service bi mais li ñuy def am solo ci ñom mais am solo aussi ci askan bi donc lolu moy place du souvenir africain muy beureup bo xamne nak élève yek mag ñek ndaw ñi ñepp dañ fi ñew parce que bo ñewé place du souvenir dang fi gennalé dara bo xolé natal yi nga xamantene ño nek ci biti nga xamantene bo jëlé cheikh anta diop wala nga jël nelson mandela ñu ñakul sax xalé yi diko jang ci école ya mais dañuy yem rek ci bind mais buñu ñewé fi dinañu gis natal bi dañu gis une petite présentation dina tax buñ fi génné rek dinañ fi génalé dara ba paré dinañ peut-être sax bëgg ñëwaat une prochaine fois ak yaatu way bi place bi yaatu rafet gi mu taru day tax ba bo fi ñëwé dañ fi bëgg délu ci waat place bi nak nekk bëru bo xamné mën na né rek loxo yu ubéku la parce que ñun ñu ngi nekk ci wëtu geej gi ubéku nak ci geej bi ubéku bobu day symboliser ñaari yëf ubéku bi day symboliser né place du souvenir paré na pour té ci loxom képp ko xamanténi yaangi ci adina bi parce que ñun fi ni dañoo ubéku ci adina bi mais place du souvenir aussi da fay wo ñi nga xamanténi ño nek ci bitim réew ñu déllu ci waat ñu andaat ba jëmmal li nga xamanténi mom la Afrique bëgg moy ñu and ligéyëndo debbando soxando pour li mëna deb jëmmalé askan bi ak Afrique ci kanam nak wax deug yalla saxna ci madame Diouf ñu ngi lay sante dila gëreum ndax té li nga fi waccé lepp nek na cadeau yu rafet té ku ko dégg tay ku place de souvenir africain rédon wala leuntone amna lo xamné lu yes lo xamné jang ko ci te dina la sene te yakar nañ tamit ci su jalle tamit wax fa deug yalla tamit doomu adamé inshallah dinañ fi ñew gëna mëna némé ko après kon nak la chaîne de l'unité moy KBC TV vous remercie profondément jërëjëf